Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Heureuse de vous retrouver pour une nouvelle recette, une nouvelle vidéo. Donc, comme je vous ai promis dans une vidéo précédente, que je vais vous partager le maximum de recettes à base de kale. Si vous aimez donc les kale comme moi, si vous appréciez le goût succulent donc de la chair de kale, si vous n'avez pas encore goûté donc les kale, il est temps. Voilà, je vous partage mes recettes en détail. J'espère que vous allez les refaire, les réaliser chez vous. Voilà, vous allez vraiment vous régaler. J'ai le plaisir de vous proposer aujourd'hui une recette fastueuse. Donc, c'est des kale marinés à la moutarde, cuite au four. Croyez-moi, c'est un vrai délice. Donc, des kale à la moutarde au four sur donc, un nid de batavia. Je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin et de vous abonner si vous êtes nouveau sur ma chaîne, d'activer la cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos, de liker, de partager. Ça me fait toujours plaisir. Donc, pour ma recette, j'aurai besoin des kale, donc deux pour moi, un demi donc poivron rouge, des herbes aromatiques persil et coriandre ciselé ou bien coupé, 7 gousses d'ail et d'autres ingrédients que vous allez découvrir au fur et à mesure de la recette. Je pose tous mes ingrédients dans le bol de mixeur, le poivron rouge, l'ail, les herbes aromatiques, le persil et la coriandre. J'assaisonne avec donc deux poivres. J'ai utilisé du poivre noir comme vous pouvez le remplacer par du poivre blanc. Voilà. Une cuillère à café de cumin. Une cuillère à café de paprika. Une cuillère à café de gingembre en poudre. Une cuillère à café de curcuma. Environ une petite tasse de l'huile d'olive. Donc j'ai utilisé de l'huile d'olive extra vierge. Voilà. Et pour le gingembre, vous pouvez le remplacer par du gingembre frais, bien évidemment. Je mixe le tout pour obtenir une marinade. Donc elle est bien parfumée. Que je verse dans mon saladier. J'ajoute une cuillère à soupe de moutarde. Je mélange très bien ma marinade. Croyez-moi, c'est une marinade magnifique, parfumée. Vous pouvez l'utiliser même pour d'autres viandes. Je sale, donc il ne faut pas oublier le sel. Il faut juste goûter avant d'en rajouter le sel parce que la moutarde est déjà salée. Donc il faut faire attention au sel. Je pose par la suite mes kale dans la marinade. Donc, il faut mettre la marinade partout, même à l'intérieur. Donc, il faut bien donc, couvrir les cailles avec la marinade. Vous pouvez même utiliser la main pour donc, faciliter la tâche. Ensuite, je recouvre d'un film alimentaire et je mets au frais toute la nuit. Donc, comme vous avez l'habitude avec toutes mes recettes, je fais les marinades la veille pour le lendemain. Donc, à chaque fois que je cuisine le poulet, les cailles, donc je préfère de les mariner toute la nuit. Je laisse au réfrigérateur pour donc les cuire le lendemain. Vous allez avoir une viande bien parfumée, bien marinée. Croyez-moi, je vous recommande vraiment cette astuce. Donc, de mariner le poulet, les viandes, les volailles, la veille pour les cuisiner le lendemain. J'ai mis mes deux cailles dans un moule qui va au four. Je recouvre d'un film sulfurisé, un papier sulfurisé, puis donc le papier aluminium. Voilà, il faut bien serrer. Je mets au four préchauffé à 180 degrés pendant 40 minutes.
Voilà, regardez, après 40 minutes, regardez ce qu'on obtient. Donc, des cailles bien dorées, bien parfumées, bien cuites. Croyez-moi, c'est vraiment un délice, ces petites cailles, donc cuites au four. Pour le dressage, j'ai posé mes deux cailles sur donc, les feuilles de Batavia. Voilà, pour une touche de fraîcheur. Bien sûr, vous pouvez accompagner vos cailles avec la garniture que vous souhaitez. Si vous manquez d'inspiration, vous n'avez qu'à regarder ma chaîne. Donc, je vous ai proposé plein de vidéos, plein de recettes d'accompagnement. Donc voilà, vous n'avez qu'à jeter un coup d'œil sur mes recettes précédentes. Si vous êtes nouveau, bien sûr, n'hésitez pas de vous abonner, de liker, de partager, de me laisser un commentaire. Ça me fait toujours plaisir. Merci à tous. Donc merci à tous mes abonnés, les anciens et les nouveaux. Merci au fond du cœur. Voilà. Donc, c'était ma recette pour vous aujourd'hui. Une recette simple, rapide, succulente, magnifique, fastueuse, que je vous partage avec un énorme plaisir. Voilà. Des cailles à la moutarde au four sur un nid de Batavia. J'espère au fond du cœur que vous allez la réaliser chez vous et que vous allez profiter de cette viande magnifique. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour d'autres recettes, d'autres découvertes, d'autres merveilles. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye!